That's what Ndokoti looks like. That's even on a good day. Because on the day when it's Ndokoti like it usually is, it's almost impossible to get through. The traffic drags for hours and hours and hours. And we can understand, you know, the roads belong to people. Traders enter the road. People do not respect, you know, space and all of that. It's not easy. I mean, I don't live around that area, but for people who live around there, you have to go through there every day to and from work. Ouais, I imagine it's very difficult. Et voilà. C'est l'heure de la revue de presse déjà. Hein? Oh, yes. It is time for the press review. Voilà. Merci. So, let's go join Peter. Saucier. Who is already here. D'accord. René Narcisse Moto vous rejoint dans un instant. Peter Saucier est déjà là. Bonjour, Peter. Good morning, Christian. I heard you for talking about Ndokoti. Oh, yes. I know you have to go through Ndokoti. Yeah. So, you know the struggles of that area. Sure. Tu t'en sors comment même? On n'a pas le choix, ça sort. Incroyable, hein? Heureusement qu'elle passe pas mal là-bas. Yeah, me too. Qui habite à Bipanda, dedans Bipanda là. On ne passe pas là-bas. C'est assez facile pour nous quand même de rejoindre la zone où nous allons. Yeah. Mais bon, ce sera une revue bilingue, vous le savez, comme tous les jours, René Narcisse Moto nous a rejoint. Bonjour Narcisse. Ça va? Très frais ce matin. I forgot to ring good morning. Good morning. Good morning, Pete. Yeah. Don't try pas saluer. Good morning, Narcisse. Bonjour Manda, comment tu vas? I'm great, how are you? Narcisse is still in rest mode, so... Oh, I see. I understand. D'accord. So, we will now go straight, Chris, oui. to the press review of this morning. And, of course, it's bilingual, as per usual. And this morning, we'll start with the Anglophone press with you, Peter. And we're going to go paper after paper. Let's start with the Guardian Post. Yeah, the Guardian Post this morning has a plethora of stories, very mouth-watering, which readers will find very interesting this Thursday morning. But... amongst them is the ongoing tension in the northwest and southwest regions of the country. And yesterday, it was another very, very tough day for the population of Kupem Wanenguba Division, and especially the chief town of that division, Bangem, where clashes between Ambazonian fighters and Cameroonian security forces had to leave casualties as usual. Now, the Guardian Post on its main story informs its readers that three die in gunfire exchange between soldiers and Ambazonian fighters in Bangem, and the paper reveals further that two civilians are battling between life and death following the gun exchanges. You'll get details about that on page 3 of the Guardian Post. Now, the United States Congress is blaming President Paul Biya over the escalation of the Anglophone crisis. This follows a resolution from the U.S. Congress that was earlier this week, in which the U.S. Congress is putting President Paul Biya as sole architect of the escalation of the ongoing crisis. You'll get developments about that on page 3. Still on the Guardian Post, the paper says the United Nations is seeking over 82 billion francs CFA for Boko Haram victims in Cameroon, Niger, and Chad. You'll find out the stakes of this particular fundraising exercise. You'll go to page 3 for details. And also, very disturbing development in the far north region of the country. 172 secondary school teachers abandoned work in the far north over insecurity. You'll find out what government is doing to ensure that these teachers regain their class rooms. You get developments about that on page 2. Yes, now let's leave the Guardian Post Daily, and we're looking at the Post newspaper of this morning. And of course, the paper's taking interest in the 2018 elections, and to be particular, the SDF candidate, possible SDF candidate. Exactly. The Post weekend this particular week is focusing on the 2018 presidential polls. You know,
Manda, the storm appears to be gathering within the SDF as momentum is high within the party as to who will be the party's flag bearer for the 2018 presidential elections. Now, the post-weekend on its main story says OC and Banda to clash for SDF ticket. This follows revelation, or this follows the presidential the ambition of the SDF legal advisor Honorable Joseph Banda, who has also declared during a meeting of the party in Batibo that he would also stand for the presidential elections. And as far as the long-serving chairman is concerned, the paper says that he appears to be keeping his cards very close to his chest as to whether he would be the party's flag bearer. So already there are already two party bigwigs who say they want to represent the party in the 2018 presidential elections: Joshua Osien Dwala and Honorable Banda, who comes from Batibo in the northwest region of the country. And the post-weekender says that Funzi to step aside as candidate is still speculations. You get details about that on page 3 of the paper. The paper takes us into the disturbing situations in the northwest and southwest regions of the country and says that political witch hunting stirs uproar, resentment in Ndu. Ndu is a locality in the northwest region of the country where there were also clashes as the military carried out an operation to fish out architects or to fish out those who hoisted the Ambazonian flag at the grandstand in Ndu in the northwest region of the country. And the paper reveals further that over 17 SDF militants have been arrested and they attacked as Ambazonians, and the police says that the arrested militants ordered for their poisoning. You get details about that on page 2. It's a very tight and very difficult situation in Ndu subdivision as we speak. The report also says that troops ravage Ambo in Batibo subdivision, loot and shoot two people as they threaten to gun down the mayor. You find details on that on page 5. And the paper says on page 36 that death sentence dangles over Anglophone leaders who have been arrested, talking about the arrest and mysterious extradition of Sisiku Ayokta, Bejirios and co. Now, the paper informs us that the GC board has a new registrar. This comes few days after the board had a new board chair. They were talking about the General Certificate of Education Board, the GCE, which now has a new management at the helm. And I must tell you that the post-weekender today is a little bit thicker than what we used to have. This is because you have the circular from the Ministry of Finance on the execution of the 2018 state budget, which has increased the pages. This is a very thick volume today for the readers. You find out for yourself. And now let's end with Cameroon Tribune of this morning, which, as usual, carries two stories in the English language on its front page. Yeah, Cameroon Tribune, which is the government bilingual daily, says that SOPECAM is striving for productivity. SOPECAM is the publishing arm of the government, the publishing corporation of the government. And the paper says that the corporation's management yesterday, January 31, reiterated the call for staff to be more efficient during the start of the annual conference that was presided by the board chair, who is Joseph Lee. You'll get details on that on page 15. And talking about the funding of small and medium-sized enterprises, finance officials are exploring possibilities for the funding of small and medium-sized enterprises in the country. Cameroon Tribune observes that promoting capital investment and looking for alternative sources of funding for SMEs are some of the measures officials of the Ministry of Finance are examining during the annual conference of heads of services of that ministry. You get details on that on page 11 of Cameroon Tribune. And that's a wrap for this first part of the press review. Thank you very much, Peter Sosi, for handling that so well. And we'll see you again tomorrow for another part of this press review on Good Morning Cameroon. Yeah. Now we're going to turn attention to the Francophone press, and it's over to Narcisse and Chris. Voilà, deuxième partie, celle consacrée aux journaux parus en français maintenant.
Non, ce sera trois parties, comme vous le savez, la revue transversale des journaux, la revue des grandes unes et les autres faits majeurs traités par la presse ce matin. Donc, dans la revue transversale des journaux, il sera question ici de trois faits majeurs, la crise anglophone et l'extradition d'Ayoub Tambe et compagnie. Surtout, les journaux parlent de la peine qui leur sera infligée et leur demande de se confier au président de la République, Paul Biya. Le deuxième fait majeur, c'est donc le mémorandum de l'Est. Vous le savez, les populations de cette partie du pays réclament 1250 places à la nouvelle école normale supérieure de Bertois. Et le troisième fait majeur, ce sera donc consacré à la CEMAC sur l'effectivité même de la fusion des marchés financiers entre de Douala et de Libreville qui arrivera d'ici 2019. Voilà, tu nous inspires ce matin, Christian Gromé. Faudrait-il encore le rappeler à nos fidèles téléspectateurs que l'extradition des sécessionnistes est désormais effective au Cameroun. Cela s'est fait d'ailleurs savoir il y a quelques jours par le ministre de la Communication, Issa Tchiroma, qui a bel et bien, à travers une communication gouvernementale, confirmé la présence de Tabe Ayouk Sissékou et ses lieutenants. Et baromètre communautaire ce matin de nous dire que Ayoub Tambe et ses lieutenants risquent la peine de mort au Cameroun. Pendant ce temps, Hot News, qui est donc un nouveau bébé, souligne que Paul Biya frappe un grand coup via cette extradition et le journal de préciser que le peuple exige le châtiment suprême de Ayoub Tambe Sissékou et ses lieutenants. Et comme collaborateur, le journal met bien en avant Fort Ngalé Fort et Tassang Wilfred à leur côté, Sissékou Ayoub Tambe. Le Nigeria a bel et bien exécuté le mandat d'arrêt contre les fugitifs, poursuit Hot News, qui souligne ici que les apprentis sorciers répondront des atrocités commises. Ces atrocités, on en évoque donc avec Hot News, quelques-unes d'ailleurs. Et le journal le précise ou rappelle qu'ils ont assassiné 14 gendarmes, policiers et militaires, 29 élèves et étudiants poignardés sur le chemin de l'école. Plus de 200 filles de 15 à 19 ans ont été violées dans les écoles et les villages. 142 collèges, centres de santé et écoles incendiées, 4 marchés incendiés, 246 boutiques calcinées et 7 commerçants tués, 8 commissariat de police et 7 brigades de gendarmerie attaquées. Et enfin, les édifices publics vandalisés et les symboles de l'État profanés. C'est ce que nous rappelle ici Hot News. Quelques faits donc ou quelques atrocités commises par ces sécessionnistes. Mutation est aussi en kiosque. Mutation parle aussi de l'extradition de Ayoub Tambe et compagnie. Et le journal qui dit que il est clair que ces derniers vont donc subir une purge politique. On parle d'une exploitation et des révélations supposées au réel du leader de l'Ambazonie et ses lieutenants qui pourraient donc provoquer un séisme au sein du régime de Paul Biya. Cameroun Tribune rappelle que les leaders sécessionnistes ont été arrêtés, un rapatriement en règle d'après ce journal. Et le journal qui veut bien rappeler que le Cameroun et le Nigeria sont liés par 3 accords dans les domaines de la coopération judiciaire et policière signés en février 1963 et en mars 1972, ce qui a permis à ce pays frère de mettre à la disposition de la justice camerounaise les personnes mises en cause. Info Matin Quotidien ne s'empêche pas, elle aussi, de parler de la crise anglophone et le journal s'interroge. Où est passée l'Église catholique? Grosse interrogation. Au 31 janvier, 53 établissements scolaires et confessionnels restent fermés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pendant ce temps, la Conférence épiscopale nationale du Cameroun continue de jouer les pyromanes. Afrique Attitude nous présente donc les quelques idées du chef de l'État. Que pense donc le chef de l'État de la crise anglophone qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? On ne bâtit pas un pays en multipliant les ruines.
L'immense majorité de notre pays aspire à la paix et à la stabilité. Tels sont là quelques propos du chef de l'État et le journal de poursuivre. Il faut donc que les choses soient bien claires. Le Cameroun est un État de droit et entend bien le rester. Ce n'est pas à la rue d'en décider. Lorsque le bilan humain et matériel de ces sombres journées pourra être fait, il sera probablement très lourd. Et enfin, tous les moyens légaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. Quelles sont là quelques idées ou alors propos du chef de l'État quant à la crise anglophone. Et puis, on va maintenant évoquer le second sujet, un fait assez important. Il s'agit ici de revendications. Donc, on parle de mémorandum des populations de l'Est du pays, l'Est qui s'élève donc pour revendiquer. On parle de 1250 places à la nouvelle École normale supérieure de Bertois et qui cache bien le mal. Qui cache mal le malaise des ressortissants de cette région en proie à de nombreux problèmes de développement. Ça, c'est le journal L'Essentiel. L'Essentiel qui évoque cette problématique ce matin, le développement donc de cette actualité. On parlait là justement de la revendication des populations de l'Est. Ces populations exigent donc 1250 places dès lors à cette école. Et on sait tous que l'Est continue à faire face à des difficultés infrastructurelles et bien d'autres, bien sûr. Le messager indique aussi, parle aussi de ce mémorandum de l'Est, l'Est qui maintient donc la pression sur Paul Biya, nous le rappelle le messager ce matin, dont on va profiter pour dire un bonjour au directeur de publication, Alex Gustave Azébazé. Ce journal parle d'impuissante face à l'exploitation sans fin des ressources de l'Est, des populations qui se disent victimes d'une injustice à nul autre pareil, annonce le lancement d'un mouvement tournant le dos au régime. C'est ainsi qu'il baptise donc ce mouvement tournant le dos au régime. Développement donc apporté dans l'une des pages du journal Le Messager ce matin. Quant au troisième sujet, il porte sur l'économie. L'ACEMAC qui entend donc faire fusion. L'ACEMAC, ACEMAC, donc on parle de la fusion des deux États, le Cameroun et le Gabon, justement, les deux, la fusion donc des deux bourses effectives dès janvier 2019. On parle du groupe de travail sur l'approfondissement du marché financier sous-régional qui s'est donc réuni le 29 janvier dernier, ici même à Douala, la capitale économique du Cameroun. Le quotidien de l'économie souligne que c'était donc un prélude au comité de pilotage de prêt CEMAC qui se tient ce vendredi. C'est donc un moment important, mais déjà on parle de cette fusion des deux bourses effectives dès janvier 2019. On vous l'a dit, il s'agit donc de deux pays de cette zone, notamment le Cameroun à travers sa ville Douala et Libreville, et ce en 2019. Et comme je le confirme ici, le financier d'Afrique qui est aussi en kiosque, ce bi-hebdomadaire souligne que le groupe de travail des experts de la CEMAC réuni à Douala annonce le lancement de la bourse régionale des janvier 2019. C'est donc une actualité à suivre. Voilà qui nous mène à la deuxième partie consacrée à la revue des grandes unes. Vous avez eu l'occasion de découvrir quelques unes en fonction donc de l'actualité dominante. Maintenant, on va découvrir d'autres venant des autres journaux juste à côté. Donc ici, il sera entre autres question de l'église évangélique du Cameroun dont le président accuse les réseaux exotériques. Il sera également question de liquidation avec la justice qui met en liquidation l'AMPI Eyebe Lobogo. Et puis les politiques publiques ici, on l'annonce donc en 2018, un grand saut vers l'inconnu au Cameroun. De quel saut il s'agit, peut-être on le découvrira dans la presse ce matin. Il sera aussi question du marché international avec la hausse du prix de cacao qui est passé de 10% du côté de la bourse de Londres, et on parlera aussi de cette escroquerie du côté de Mbanga Bakoko, escroquerie sur l'immobilier, il faut le préciser. Oui, tu fais bien de le dire.
plaisir, Christian Vomé. Commençons donc cette revue des grandes unes avec la nouvelle expression qui fait lire Église évangélique. Le président accuse les réseaux ésotériques. Selon le professeur Henji Toya, la franc-maçonnerie et la Rose-Croix sont à l'origine des troubles qui perturbent le bon fonctionnement de chez l'Église évangélique du Cameroun. Mais il prône la tolérance et la réconciliation entre tous les chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun. L'essentiel s'est intéressé ce matin à l'immobilier à Douala et on parle de l'escroquerie de Mbanga Mpongo. Le journal rappelle qu'il s'agit ici de 180 familles spoliées, 8 ans qu'elles attendent de ces familles-là, 3 milliards estorqués. La SIC n'est pas la SIC, voilà. C'est deux choses différentes. La caution de l'Est qui est donc en cause. On parle également du mirage des Américains et le désespoir des familles. Le quotidien de l'économie parle d'une hausse du prix du cacao de 10% à Londres. Il s'agit ici là du marché international. En application de la loi de l'offre et de la demande, la baisse des stocks de fèves sur le marché européen aura un effet bénéfique sur les coûts de cette matière première agricole dès mars 2018. Ça, c'est le quotidien de l'économie qui nous le dit ce matin. Le journal Essingan s'intéresse à la liquidation et souligne la justice met l'empire de Yebe Lobogo en vente d'une valeur globale de 2 milliards de francs CFA, l'une des composantes dont l'immeuble Serge de Holding Kafi au quartier Elik Sono à Yaoundé nourrit des convoitises. Et puis, baromètre communautaire est aussi en kiosque ce matin. Politique publique 2018, le grand saut vers l'inconnu au Cameroun. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat, dont les résultats étaient annoncés pour ce début d'année, n'en est encore qu'au stade des préparatifs, faute de financement, précise baromètre communautaire. Communautaire qui poursuit en disant que selon la loi, le recensement détermine le découpage des circonscriptions administratives, électorales et l'affectation des ressources publiques en vue d'un développement harmonieux. Enfin, sans cet outil d'aide à la décision, le gouvernement va devoir agir à l'aveuglette dans l'organisation des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles au Cameroun. Voilà, donc Christian Vomé, ce qu'on peut retenir de la revue de Grande Une. Place aux autres faits d'actualité traités par la presse. Et on commence avec le financier d'Afrique qui parle de permis de conduire et indique l'éclairage du ministre délégué des Transports. On va rappeler que les responsables ou promoteurs de taux école en veulent donc à la tutelle pour en savoir davantage. Rendez-vous en kiosque. On rappelle simplement que l'examen de permis de conduire est annoncé dans les tout prochains jours, sauf qu'il y a du rififi au sein du secteur, dans le secteur donc du transport, notamment celui des auto-écoles. Le messager s'intéresse aux informations budgétaires et fait lire ce matin que le Cameroun est classé parmi les mauvais élèves. L'International Budget Partnership classe le Cameroun dans la zone rouge avec un score de 7 sur 100. Information à retrouver donc à la page 5 du jour. On a le messager qui est un quotidien. La précision en vaut la peine. Le croisade de comment éradiquer la fraude dans le secteur minier. Le journal Le Messager nous en dit davantage ce matin. La nouvelle expression nous amène du côté de Bafoussam pour parler d'affrontements sanglants entre élèves. Il s'agit ici d'une bande d'assaillants qui a fait irruption au collège La Confiance pour s'attaquer violemment à leurs camarades. Information contenue à la page 2. Puis un tour du côté de Kribi, toujours avec la nouvelle expression. Un expatrié assomme son domestique. Que s'est-il exactement passé? Mais déjà, le journal souligne que l'infortuné a été interné à l'hôpital du district de Kribi
profondément sinistrée. Et puis au rez-de-chaussée du journal La Nouvelle Expression, on parle de la FECA Food, Maître Happy qui réagit à la prorogation de son mandat. Le président du comité de normalisation apporte des précisions sur la rumeur annonçant le prolongement de leur bail à la Fédération Camerounaise de Football, un article qui se trouve donc à la page 10 dans le journal La Nouvelle Expression, livraison de ce jour. L'OGCAM et le MEDEF ensemble pour booster les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est le quotidien de l'économie qui nous le dit ce matin. Le journal précise que les présidents des deux patronats ont signé hier du côté de Paris, la capitale de la France, un mémorandum d'entente devant l'ambassadeur du Cameroun en France. Et puis on sort donc de cette troisième et dernière partie avec Essingan qui s'est intéressé à la décentralisation à la page 8. Ici, le journal indique que les maires réclament 400 milliards de francs CFA par an à l'État. C'est pourtant le même montant qui a été alloué aux communes en 7 ans. Que se passe-t-il? Allez donc le savoir chez nos amis de Essingan. Garoua Boulaye, deux trafiquants de semences humaines arrêtés. Ça, c'est Essingan qui nous le dit. Il s'agit de Idriss Bachirou et Youssoufa Aliou qui sont âgés respectivement de 20 et 25 ans. Voilà la messe ainsi dite ce matin. Rendez-vous à l'église. Rendez-vous en kiosque, bien sûr. Rendez-vous en kiosque pour vous procurer le journal dont la une vous intéresse. Ce matin, ça coûte 400 francs CFA ou alors vous pouvez souscrire à un abonnement et obtenir donc ces différentes parutions en ligne directement. Vous pourrez lire à partir de votre bureau, à partir de votre smartphone. Ça dépendra de vous. La vie est beaucoup plus facile et les journaux vous la rendent encore plus que ça. Donc, vous la rendent. Oui. À demain. Ouais, à demain même heure, même chaîne. Pour une autre livraison, pour une autre messe. Je vous offre un peu d'ndongo. Ça ne sera pas de refus. Est-ce que c'est quand même ndongo? Oh là là, un peu de ndongo chaud. J'espère qu'il y a quelque chose de glacé pour justement atténuer. Hein, pour ceux qui ne peuvent pas le supporter. Pour ceux qui ne peuvent pas supporter ce ndongo-là. Bye, petit pays, il est sans visa. Regardons ceci.